bonne existence pour la rediff maintenant que c'est corrigé. Et j'ai juste ellipsé un chapitre parce qu'il est c'est du mignon drôle. Il y a toujours Jake, Justin, Jenny qui réagissent à la nouvelle que Alice va débarquer en psycho avec Jenny, donc qui risque de lui déclencher des crises fréquemment, crises qui sont quand même relativement fortes vu que ça arrête son cœur, donc bon, c'est à prendre en compte. Mais elle a commencé à bricoler des petits points d'ancrage, on va dire, des petits objets qui la sécurisent un peu, sous forme de pensées magiques, de tout ça, mais pour essayer de se rassurer et de rassurer les garçons pour pas qu'ils soient en flip H24 parce qu'elle va juste à la fac. Donc elle a tenté de faire, une petite figurine qui représente Jake et une qui représente Suga. Mais d'après les garçons, ça fait plus peur qu'Alice. Et le chapitre se finissait avec Casimir qui avait repéré une prochaine œuvre, donc une prochaine victime, dans le langage plus humain classique. Et là, on va pouvoir adopter dans le chapitre vision différente, la vision justement d'Asmer. Donc là, ça va être que lui sur ce chapitre, enfin lui et sa victime. Mais elle, à part subir et crier et se plier, il ne va pas y avoir beaucoup d'interactions. Donc juste quand j'aurai une voix plus légère, si possible, ça sera elle qui parle. Mais sinon, c'est que Asmer pour voir le produit, comment il agit sur lui, comment il modifie sa perception du monde. Pour avoir plus de détails, d'informations, et compléter ce que John avait commencé à dire avant d'y passer. Il faut que j'arrive à l'isoler. Le plan est prêt, la zone est dégagée, et personne d'autre dans les environs. Elle fera du bien, elle en a besoin. Elle sera mieux après, morte. Elle ne souffrira plus, elle sera libre. Pas comme moi. Je peux même pas partir, moi. Le produit me bloque dès que... Je pensais à quoi ? Ah oui, l'œuvre. Exprimons ma vision du monde, ma créativité. Libérons quelqu'un tout en me... Elle va où, là ? Elle monta son manteau et mit ses lunettes de soleil. Suivit sa future œuvre, s'approcha lentement d'elle. Ma tant d'amis, pourquoi ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'elle y gagne ? À part des larmes, des peurs, du stress, des trahisons. Ce qu'ils appellent amour, amitié et joie, pour moi, ça n'existe pas. Ils vivent dans le mensonge. Je me dois de les aider. Sortir de ces océans d'horreur... La brume qui les aveugle est toxique. Mieux vaut mourir que de vivre dans le faux. Ils seront recouverts d'écume de lamentation. Leur peine disparaîtra grâce à moi. Puis ni par l'attraper, l'immobiliser et la faire taire. Elle tient dans une petite truelle et commença son exécution. Cette lueur dans tes yeux qui s'éteint lentement. Ce sont tes larmes qui sèchent. Expire une dernière fois. Relâche tes soucis et détends tes peines. Voilà, comme ça. Pitié. Ne lutte pas, tu seras bientôt débarrassé de tout ennui. Mais je veux pas. Pourquoi ? Es-tu stupide ? Non, j'aime vivre, j'aime mes amis, ma famille, je peux pas les laisser. Comment ça ? Je tiens à eux et je suis bien en leur compagnie, leur absence me chagrine, enfin, les moments avec eux me manquent, enfin. Normal, quoi. C'est faux, ils mentent. Être avec quelqu'un ne fait que te faire perdre du temps, de l'énergie. S'il vous plaît. Cette coiffure, elle me rappelle quelqu'un. Je vois pas qui, j'oublie tout le monde et... Oh bon sang, ça brûle! Se prit la tête, elle en profita pour fuir. Se reprit et lui courut après. Un quart de tour lorsqu'elle arriva vers une zone peuplée et finit par retourner à sa voiture. Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris? Pas eu la notif, ouais, je sais pas pourquoi. Twitch a toujours du mal, puis après, vu que je suis pas beaucoup suivie, il se donne moins la peine. Et même les très suivis, en général, ils sont obligés de rajouter sur Twitter des trucs comme ça pour compléter, parce que... Et bon, bref. Là, c'est le chapitre Vision d'Asmer, avec le produit, comment il est influencé, tout ça. Elle m'a pas vu respirer, elle va pas me dénoncer. Ah, bon sang! Comment j'ai pu rater une œuvre comme ça? À qui elle m'a fait penser? Ma tête... Oublie. Bon. Retournons à la planque. Se prépara à sa boisson favorite, qui anesthésie légèrement ses douleurs, et se posa sur le canapé. C'est ici que j'ai eu... Jisoo, c'est bien ça ? Ah, elle a eu... tellement l'occasion de libérer de souffrance. Je l'ai achevé, sans doute une de mes meilleures œuvres, dommage pour son ami. Commença son verre. Ce Jake, lui, il aime Jenny ? Mensonge,
D'après, c'est juste la puissance qu'ils exercent sur l'autre. Et son père s'arrêta, fixa le sol et reposa son verre. Slova se dirigea vers sa chambre, ouvrit un tiroir et sortit un album photo. C'est bien lui, John. Ses traits de visage disparaissent déjà de mon esprit. Fixa une image qui les représentait, lui et son ami, se tenant par les épaules et se fixant les sourires jusqu'aux lèvres. Seule chose que je suis capable d'aimer, c'est l'envie de pouvoir sourire à nouveau ainsi. Je sais pas comment, mais rien qu'une fois, cet homme est mort et c'est la seule personne que je souhaitais pas libérer. Et pourquoi? À cause de ce qu'on a vécu avant, une part de moi s'en souviendrait et lutterait. Lors de son enterrement, j'ai senti comme mon sang, ma tête, ça brûle. J'ai réussi à me retenir de pas tuer son fils parce que je l'ai... Ah, j'ai pris la tête et fini au sol. Je suis presque, je le sens, je suis proche du but. Pas loin de comprendre ce que les autres trouvent plaisance, amour. C'est tant d'âme de douleur, et voilà. J'ai beau y être proche, je sais que je pourrais pas atteindre cet objectif. Ferma les yeux et souffla jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Il se releva une dizaine de minutes plus tard, le regard changé et vide. Allons purifier le monde de sa souffrance. Il prit quelques armes et remarqua la photo au sol, il la récupéra et grimaça. Quelle horreur, cet homme me fait souffrir comme pas possible, ce sourire, bon sang. Je peux donc pas pleurer comme tout le monde. J'ai l'air tellement triste sur cette photo. Quel monstre de m'avoir fait ça. Sortit un briquet, approcha la flamme de l'image et la lança dans la cheminée en partant. Le souvenir rougissa et se décomposa rapidement. En même temps que la lucidité d'Asmer, laissant place à un nouveau cycle. Donc là, c'est vraiment le côté nuance entre ces moments de lucidité qui laissent échapper la vraie personne derrière lui, avant la contamination, et quand c'est un peu le produit qui prend le dessus. L'impact que ça a sur lui, c'est vraiment autant physique que mental. Et ça peut s'apparenter à certains troubles mentaux parfois, à de la possession pour certains. Mais c'est très puissant, très violent, et du coup, c'est vraiment pas lui qui est responsable, bien qu'il agisse. Mais on voit bien qu'il y a le lui qui essaie de s'accrocher, de se battre, de lutter, et sa version corrompue, si on peut dire, qui est déjà perdu. Donc après, est-ce qu'ils vont quand même réussir l'objectif de John? Ça, on le verra à la fin du tome. Là, on est à la page 55 sur à peu près 680. On ne saura pas maintenant. Là, on va revenir sur des chapitres un peu plus classiques avec la meute de base. Ils sont en train d'intégrer progressivement la fac pour une nouvelle année. La plupart étaient encore au lycée, ou il y en avait quelques-uns qui avaient fait une année ou deux en fac, mais là, ça suivait mon parcours à moi, donc qui découvrent. Là, on va commencer à droit chemin, donc ça va être tous ceux qui vont en droit. De mémoire, c'est Leïla et Léo qui vont y aller. Ça va être les seuls à peu près calmes. Tout est relatif, mais voilà. Donc, ça commence, ils sont tous à la base quand même. Ah, vas-y, ça fait pas... On va être ceux qui vont bosser plus, et puis... J'avoue, c'est... Ah pardon, j'ai confondu le droit et la géo, pardon, oui. C'est parce que j'ai lu en même temps le nom de Léo, mais non, en droit chemin... C'est Leïla et Lucas. Donc ça va pas être la galère, mais ça va pas être calme. Moi qui aurai le plus de travail, vous êtes au courant ou... Toi ça va être complexe, nous ça va être chiant. Pourquoi t'es en droit alors? J'aime ça, juste. Ce qu'on va étudier sera chiant. Le concret à la fin, ça sera cool. Je vais être coach, je te rappelle. Hein. Je m'habitue à speeder et pas attendre 3 jours que mon cerveau enregistre des textes trop longs. Hein. En plus, c'est pas comme si tu n'avais pas eu 15 000 galères pendant l'été. Enfonce pas, toi. Allez, ça va le faire, concentre-toi sur ton objectif. Me muscler encore plus pour mieux te faire plaisir en rentrant. Je suis heureux que tu ne sortes plus avec ma sœur, bizarrement. Tu veux pas que je prenne de plaisir, c'est ça? C'est un peu gore, votre discussion entre frères et sœurs, quand même. Moi, j'espère que Leïla et Lucas vont beaucoup se rapprocher. Mais pas trop, quand même, histoire de faire des embrouilles. Mais limité. En plus, Eva sera avec Benjamin, avec qui on avait des doutes. On pensait que c'était de lui qui était tombé amoureux, je rappelle. Ensuite, Clément et Selena, pour que ça soit bien gênant, les ex de Benjamin, avec lui pour qu'il déprime et rechute de ses méandres et de la galère féminine. Émilie avec Léo, celui qui a le plus envie de l'éliminer. Deviens pas comme Asmer, s'il te plaît, ou pas tout de suite. Ensuite,
C'est bon, on connaît déjà tous les galères. Évite d'en rajouter. Ça serait bien gentil de ta part. Je trouve que ça manque de bisous par ici. C'est pas comme si on allait tous bientôt être séparés. N'exagère pas. T'en as deux qui vont faire leur rentrée dans 1 heure. Les autres, dans les 2 semaines à venir. Et on se retrouvera tous les midis, week-ends, pendant les pauses. Enfin, ça va pas vraiment changer d'habitude. Oh non, je voulais être débarrassée. Vous sentez la bouse et... devrait commencer à partir, sinon ils vont être en retard. Ouais, vous avez le droit de vous taire et de vous soumettre. Super avocat, hein. Oui, Jenny a raison, partons. Là, ça va être que Lucas et Leïla. Oui, cette fois, je me trompe pas. C'est celui-là, notre bâtiment? Non, pour la 5e fois, c'est le gros derrière. Il est moche, je le trouve pas mal, moi. Il est hyper haut. Traduction, beaucoup d'étages à monter. Il veut être musclé et être coach, non? Tourna la tête vers elle et la fixa. Je sens que tu vas me saouler, parce que j'ai raison. Parce que tu vas pas pouvoir me porter. Non mais toi, tu pourras me porter, moi. Je suis déjà loin, je t'entends plus. Il pressa le pas en agitant la main et elle courut pour le rattraper. Faut qu'on trouve Jeanne aussi. Elle vous a grillé. Enfin, Jenny lui a fait comprendre que vous saviez. Elle n'a rien fait et... Esmine la canalise peut-être, non? Faudra lui demander. Oh, j'ai aimé cet endroit. La cafette? Non, la poubelle, à ton avis. Comment fait Lou pour s'y porter? Je le fais gémir. Pas du genre à la tromper. Oh non, mais c'est quoi cette question? Ça va plus avec Léo? Oh, pas vous. Si, ça va super, comme toi, c'est dingue ça. Je demandais ça car je remarque qu'il y a beaucoup de filles canons dans notre filière et je suis fidèle, puis elle est canon aussi. Je surveillerai quand même. Elle qui t'a demandé de le faire? Non, mais... Bon, écoute, je vais être franche. Je t'écoute. J'ai parfois du mal à me faire des amis. Reste avec moi autant que tu le voudras. On est amis. On est dans la même filière. Lou ne sera pas jalouse. Léo non plus. Il y a plusieurs dérangés dangereux dans la fac qui nous surveillent. Nous, on doit surveiller Jeanne. Donc, on doit rester au moins par deux. Il lui tendit la main. Donc, reste près de moi. Je pourrais te donner des idées pour vous divertir avec Léo, si tu veux aussi. Il lui prit la main, il lui fit un clin d'œil et l'attira. Tu réussiras à t'intégrer, t'inquiète, avec les groupes de TD surtout. Et moi, c'est pas parce que je me ferai de nouveaux potes que je m'éloignerai vous, que je te laisserai. De toute façon, même si je me fais de nouveaux potes, on ne pourra jamais ressembler à ce que je vais avec les Wolves. Et j'ai joué les gamins, mais je sais que je vais adorer ces cours. Malgré ça, les midis seront mes moments préférés. Et... merci. Rassurée, on peut aller souffrir maintenant. Il fit un sourire et elle reprit confiance. Je comprends maintenant pourquoi t'es si chère aux yeux de Jenny. On vous l'aide tous, mais toi, elle te voit comme un vrai grand frère et. On est rarement seul avec un des membres au final. Enfin, les couples, les meilleurs amis, mais nous deux, toi et moi, on n'a presque jamais été seuls ensemble. Qui sait, tu finiras peut-être par me voir comme un grand frère aussi. Possible, c'est cette salle? Ils entrèrent dans l'amphi. Ah, c'est vraiment grand. Ah, j'aime pas les gens d'un coup. Faut se mettre devant si tu veux tout entendre, participer et surtout ne pas être distrait. Allez bien. Sassien, des professeurs arrivèrent et commençaient une présentation. Lucas commençait déjà à parler à une nouvelle connaissance, un garçon à côté de lui. Il n'oubliait pas cependant d'inclure au mieux Leïla dans la discussion. Sans attention finie, l'amphi se vida. Leïla et Lucas et son nouvel ami se dirigèrent vers la cafétéria. Quelqu'un qui aime la bouffe comme moi. Ah. Lucas? Quoi, t'es gêné? J'aurais pas dû lui dire de venir avec nous dès le premier jour. Si, t'as bien fait, mais c'est quoi là le problème? J'ai trouvé Jeanne, elle est là-bas. Il fit signe de tête pour lui montrer. On fait quoi? Attends de voir si elle fait quelque chose ou... Ben, disons que vous les elfes, vous faites tout à distance. Moi, je suis un loup. J'attaque directement. Il se dirigea vers Jeanne. Parce que la diplomatie, Lucas... Donc après, c'est vivre en société. Donc ceux qui vont en sociaux. Si je me mélange pas, c'est Clémence et Léna, principalement. Mais ça date un peu, hein. Là, ils retournent tous à la base et Lucas fait le compte rendu de sa confrontation, si on peut dire, avec Jeanne, voir s'il a réussi à gratter des infos, s'il a été beaucoup trop direct. Puis après, elle est juste partie. Étrange. C'est mieux dans un sens, non? Je veux dire, la complice du tueur en série qu'on essaie de sauver fait comme si de rien n'était alors qu'on connaît son secret, c'est rassurant, non? Pourquoi elle agit ainsi? Elle sait qu'elle ne
peut rien faire. Elle est seule à la fac, à Smeray loin, il y a du monde autour d'elle, elle ne peut rien nous faire. On est tous en contact en permanence. D'ailleurs, vous penserez à bien couper vos oreillettes, les couples, hein, parce que quand vous vous retrouvez, c'est gênant, merci. Personne ne va se caresser en public. C'est Lucas, on est capable. Hein. Toujours moi, tout de suite, c'est dingue comme je suis pris pour cible. Il est sympa, ton pote. Oh, on a parlé une heure, même pas, mais... Ouais, il en a l'air. Sans à l'aise, Leïla, ça va? Plutôt, oui. Lucas m'aide bien et... Je pique pas mon frère, hein, par contre. Non, je plaisante. Faut bien qu'il réserve des autres choses au moins une fois dans sa vie. Hein. Qu'il serve à quelque chose au moins une fois dans sa vie, plutôt. Le pauvre, sinon je ne saurais jamais quoi en faire. C'est supporter déjà un exploit très digne, je trouve. De toute façon, on ne pourra pas faire une relation comme la vôtre, hein. Tu sais, heureusement pour toi. On descend un petit peu la naine, hein. Bon, ce n'est pas que je vous aime pas, mais... Oui, jamais en retard. Il lança un regard en se levant. On doit y aller. Oh, attendez, je viens avec vous. Moi aussi. Et pourquoi eux ont droit à une escorte? Elle y va pour Bastien. Je tiens à le tenir à distance. Pris la main de Jenny, il l'attira à sa voiture. Une fois arrivé... Oh, c'est immense, je vais tellement me perdre. Mais non, chaton. Au pire, tu m'appelles et je viendrai te guider. Je sais plus où j'ai mis Bastien. Ah oui, je l'ai mis à la dernière diapo, c'est pas mal. Ou quand je montre celle-là pour ce chapitre, c'est que c'est Bastien. Ou moi, je serai dans le bâtiment juste à côté des les trois quarts du temps et... Pardon. On est tous les deux dans les sciences humaines, c'est à côté. Génial. Je n'étais pas prévenue pour ça, ça va pas le faire longtemps. Pas le faire du tout. Donc si elle a des problèmes, que si Alice l'approche trop, qu'elle est perdue ou qu'elle fait une crise, je pourrais intervenir rapidement. Au moins le temps que tu arrives. Oui, ou nous. Il donna un léger coup de coude à Bastien en lui glissant d'arrêter avant d'énerver Jay. Ah, ouais, je vais vous dire tout à l'heure, je viens de recevoir un message d'un pote, il y a deux groupes de sociaux pour la rentrée, je suis dans l'autre. A plus, on se retrouve plus tard. Leur fils signe est parti. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va vous laisser du coup. T'étais même pas venu pour moi, juste un petit peu. C'était exclusivement pour lui. Oh, je me sens trahie. Si, bien sûr, juste connaissance Elena. Il regarda sa montre. Vous allez devoir courir car votre salle est encore plus loin et j'ai la flemme de vous suivre. Au moins, je suis honnête. Et surtout que t'as trop fait de muscu hier et que tu as trop de courbatures pour courir. Exactement. Il sombra autour de l'épaule de Jenny et fit signe à ses amis avant de repartir dans l'autre sens lentement. Elena regarda l'heure de son portable et s'agita. Dépêche-toi, je veux pas être en retard. Surtout le premier jour, tu imagines la honte et... J'ai jamais honte de toi, jamais. Dois-je te rappeler tout ce que t'as vécu, traversé et réussi en si peu de temps? Elle marqua une pause et elle fixa quelques instants. Tu me connais si bien, mais je suis désolée, franchement. Sincèrement désolée. Mais j'ai bien réfléchi, je suis amoureuse de Jonathan maintenant. Il a besoin de moi en plus. Je sais pas vraiment comment c'est arrivé, mais c'est fait. Il y a eu mon cœur. Il t'appartenait avant, mais... On a peut-être eu tous ces différends pour rien. Et... Promis, on restera proche. Promis, je serai là pour toi. Promis, je t'aiderai à te remettre pleinement de ton traumatisme et à retrouver quelqu'un de bien. Et c'est donc bien définitivement fini. Je l'accepte. Tu auras tout pour le sauver. J'espère que vous serez heureux après tout ça. Tu me manqueras toujours. Je le dirai jamais. Bien, ma belle. J'y veillerai de loin. Ni comme mon jumeau aimait protéger la femme de ma vie à distance, car un autre a su mieux la séduire. Mais bon, tant qu'elle est heureuse, il lui serra la main. Ça marche, faisons ainsi. Allez, on a encore un peu de marche jusqu'au bâtiment. Hein. Repris la course côte à côte, fixant le sol, mais souriant. On y est au beau d'abord. Il la poussa gentiment avec un sourire satisfait et entra. S'assirent sur le côté gauche de l'amphithéâtre et écoutèrent les présentations. Au fini, ils partirent manger
dans un restaurant rapide du coin. Sénat rejeta quelques propositions de garçons essayant d'inviter ou d'avoir des numéros. Clément faisait mine d'être son petit ami pour faire fuir les plus tenaces. T'as un sacré succès, dis donc, hein. Oui. Pourquoi tu te retiens de pleurer, alors? J'espère que Jonathan n'en a pas autant, c'est ça? Elle hocha la tête. Il est contaminé, il ne ressent plus rien. Donc si un jour, par malheur, te trompe sous le contrôle du PDML, sache que ça signifiera rien et c'est pas lui qui l'a fait. Oui, mais pour lui, on est séparés. Alors recontacte-le. Jean sera dans sa filière, il va surveiller. Et il devra lui donner du produit régénérant pour le maintenir. Il comprendra donc peut-être qu'il finira par reconnaître son état de contaminé. Cependant, il n'est pas au même stade qu'à sa mère. Elle va contrôler un minimum ses pensées, on dirait. Si Jean lui explique la situation, si toi tu lui dis ce que tu souhaites, il n'y a pas de raison pour que vous vous remettiez pas ensemble. On sait jamais, l'amour a peut-être un effet contre le produit. Hein. Sa mère n'a pas de copine, peut-être que ta présence calmera certains points. Par contre, sois prête à être rejetée, et s'il accepte, connais bien la situation dans laquelle tu te mets. Il est contaminé. Donc, fais très attention à ne pas toucher son sang, à ne le laisse pas te contrôler, te blesser, te toucher si tu veux pas, te dire des horreurs, Je sais, il ne ressent plus. Ou du moins à ce stade, que très peu et pas comme nous. Même si on se remettait ensemble, je ne peux pas m'attendre à vivre un vrai couple. Et tu es fort, tu y arriveras. Tu as pu voir un peu ce que pouvait être le couple avec lui avant qu'il ne soit contaminé. Si tu arrives à l'aider et nous à le soigner, tu connaîtras ta réponse. Et oui, merci beaucoup. Maintenant à toi. Je cherche personne, c'est encore trop tôt. Je sais, je parlais de tes problèmes. Confie-toi. Hormis la peur des filles et ta perte, tu veux dire? Eh bien, Léo sera avec Émilie. Je suis plus capable de la voir, mais lui, il veut vraiment l'éliminer. Je sais qu'il serait incapable de se contrôler et moi, incapable de l'en empêcher de faire une horreur pareille qui pourrait le changer à tout jamais. Pour la rediffusion, du coup, on se laisse là-dessus. C'est un suspense plus latent et calme que d'habitude, ça change. Profitez, là, ça va être le temps que le chapitre se lance, le temps que chacun trouve sa place, lance dans ses activités hors du groupe, on va dire. Et après, ça va être la déferlante de retour. Donc, merci et à très vite.